Bonjour, bonjour. On se retrouve dans la formation des instants de souplesse. Je suis sur System.io. C'est la plateforme dans laquelle j'ai hébergé les formations. Pour cette formation instants de souplesse, vous savez, 18 heures de contenu en présence et 2 heures en ligne. Je vais donc vous montrer, vous faire une petite visite guidée de la formation en ligne, de la partie en ligne. Comme vous voyez, ça c'est la plateforme, elle est très facile d'utilisation. Ici à gauche, vous avez les modules déroulants, il y a 4 modules en ligne. Vous allez dans la présentation et vous téléchargez, vous pouvez voir la vidéo et télécharger les programmes de formation. Et ensuite, vous marquez terminer et ça vous fait passer à la vidéo suivante ou module suivant. Ça prend un peu de temps de charger, je ne sais pas pourquoi. Donc, dans cette formation, on va avoir, je reviens ici, on va avoir un manuel à télécharger dans les contenus de la formation qui sont expliqués d'abord en vidéo, un petit chapitre sur comment étudier, aussi un chapitre sur les évaluations, comment ça se passe l'évaluation avec moi, sur l'équipe pédagogique, du coup là, c'est moi la formatrice. Les manuels des formations, vous savez, un manuel des 40 pages à télécharger et un chapitre aussi sur l'accréditation. Comment se passe l'accréditation Yoga Alliance, expliqué de façon assez concrète les parcours Yoga Alliance. Ensuite, vous avez tout un module sur les systèmes squelettiques, l'anatomie, système squelettique. Expliquer de façon simple les articulations. Donc, vous savez ici les différents types d'articulations et les systèmes musculaires. Les types de muscles, les types de contractions musculaires aussi. Un training à suivre avant la formation. C'est un petit training simple avec une routine de handstand débutant. Une deuxième vidéo des trainings, une vidéo des progressions en handstand, un document de progression en handstand sur comment préparer et augmenter sa résistance, un training des souplesses avec moi, un training des souplesses et mobilité. Je vais vous montrer ici, comme ça vous voyez un peu à quoi ça ressemble les vidéos. Ici à droite, on peut changer la volume Coucou, bienvenue à ces cours des et la souplesses vitesse. adressés aux pratiquants des handstands. On va donc travailler vers l'avant. Voilà, il faut bien arrondir son dos et on revient. Ok, vidéo des souplesses, un handstand, puis vous pouvez avoir d'autres contenus, un mini-guide pour les handstands. Un programme de préparation avec calisthénie que vous pouvez trouver dans ces documents. Encore un document sur la souplesse. Un peu d'explication sur la souplesse et sur les Mexicains. Une vidéo sur les Mexicains et la contorsion. Et ensuite, vous avez des vidéos de rappel de la formation en présence. Donc ici, vous allez trouver des petites vidéos pour se rappeler comment faire drawback, comment faire les écarts avec la wheel. Je peux avoir cet support et du coup, j'aurai aussi plus d'autonomie. Et vous savez, notamment, ce sont des vidéos de la situation d'enseignement réel. Échauffement et tac, extension sur la wheel. Vous allez avoir aussi, c'est une vidéo plutôt de souplesse, extension du dos, Et là, on extension des va rouler. épaules. Il y a beaucoup de personnes pour lesquelles cet exercice va être douloureux. Voilà. Flexion arrière, haut du dos et sur wheel. Handstand avec wheel, c'est une technique que j'utilise qui est assez sympa pour débuter. Qu'on peut faire toute seule. Oui, très jolie dans mon atelier, mais la vraie
Donc, ça c'est ton point de départ. Ouais. Les murs, mais ça m'aide à monter. Ouais. De la natte et puis de la souplesse. De support différents. Voilà. Donc, vous savez un peu tous les outils à gauche qu'on va voir après en formation. Vous savez, c'est centré avec la huile aussi pour pouvoir les revoir à la maison. Ballerina, ça me plaît un peu plus. Décoller, revenir. Voilà. Donc, pas mal de vidéos à revoir ici à gauche pour compléter ces trainings avant la formation. Vous pouvez déjà essayer toutes ces techniques à la maison ou les réessayer après la formation. Dans les chapitres de la formation en présentiel, vous trouverez les techniques qu'on fait en formation pour les refaire. À chaque fois, on marque terminé. Et vous allez avoir aussi un bilan à chaud et un bilan à froid. Dans la formation, on tient à avoir vos retours, on tient à pouvoir améliorer la formation grâce à vos retours. Je reviens donc webcam face à la caméra. Je vous remercie vraiment de ce temps d'attention. Je crois que la formation des instants souplesse est vraiment adaptée à toute personne en bonne santé. Je l'ai en tout cas créée pour ça. Je la partage depuis 2019. C'est une formation très sympa, très adaptée à tout le monde et aussi pédagogique qui peut vous donner des outils, soit prof de yoga, coach sportif, prof de pole dance, danseur, danseuse, pour partager la passion pour les équilibres et les inversions avec vos élèves. Avant de partir, si vous voulez des conseils, des petits tutoriels ou tout simplement de me suivre, on est sur les réseaux Rosa Aguilera Yoga et Yoga du Sud sur Facebook et sur Instagram ainsi que sur YouTube. Je vous souhaite une très belle semaine. Toutes les questions en description de la vidéo, vous trouverez un lien Calendly pour prendre rendez-vous avec moi. Et vous pouvez aussi demander une prise en charge si vous voulez pour cette formation. Merci beaucoup.